Waz le youtubeur, c'est terminé, appelez-moi Waz l'espion. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très simple, on va aller espionner 99 bots que j'ai configurés en difficulté difficile. On va donc voir si l'intelligence artificielle de Fortnite est vraiment bien travaillée, si les mecs sont forts mécaniquement, s'ils ont un bon aim, bref, s'ils sont meilleurs que Joe Looter, ça j'en doute pas. Il est sérieux ? Comme d'habitude, juste avant qu'on parte, pensez bien faire une chose sur Fortnite, c'est d'aller direction la boutique, soutenir un créateur, et pensez à écrire le petit code Waz ZZ avec 4Z. Merci à tous. Maintenant, on peut rejoindre les EDFR. Hop là, on est dans le bus. Comme vous pouvez le voir, tous les bots sont en train de rejoindre. Normalement, là, c'est la crème de la crème. Ils sont censés être chauds. On va direct sauter. Je vais farmer quelques construits et mourir de chute. Au moins, on pourra directement les espionner. Hop, on fait une petite rampe et on saute. Aïe. C'est bon. On est donc sur le numéro 78. Il spawn dans l'eau. Ok. Eh, pour l'instant, regardez directement. Il prend les caisses de mine. Ah, les armes, il les calcule pas. Il en a rien à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va? Il y en a deux qui viennent de faire une chute fatale de plus de 20 mètres. Oh là là, mais qu'est-ce que ça annonce cette vidéo, sérieux? Il y a plein de gens qui disent que l'intelligence artificielle c'est en train de dépasser les humains, que ça va conquérir le monde. Epic Games, ils sont pas du tout de cet avis, hein. Leurs bots, ils ont l'air trop nuls. Mais le frérot, il a même pas d'armes. S'il croise un autre bot, il peut pas se défendre. Après, si l'autre bot n'a pas d'armes, il pourra pas le fight non plus. Encore des chutes fatales. La game, ça va être que ça ou... Bah, y a un gars devant lui. Qu'est-ce qui va se passer? L'autre a une arme. Allez, tire. Et il le pioche. Mais... Allô? Grenade, il s'est explosé. Target 15 à faire des pas explosifs. Oh lo 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 lo. Encore une chute fatale. Ah! Il a vu un autre gars. Allez. Il rate tout. Donc les bots apparemment ils ont l'aim de Martial. Il se fait push. C'est quoi ce bordel? En plus ils ont tous les mêmes skins, ça me perturbe. Oh non, il va faire push. Eh mais c'est du team up là, les deux là ils se battent pas. Ah si. Oh, qu'est-ce que je suis en train de voir? Oh j'ai trop peur qu'ils mettent sur le bus et qu'ils s'explosent. L'autre est dans la station essence. Ah il casse la voiture. Et il l'a fait exploser. Bon, au moins on a vu de quoi il était capable. On change de joueur. On en a un autre qui a aucune arme. Là, il y a un fight en cours et il est mort par une PM. Mais les gars, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont oublié de coder la partie loot. Les mecs, à chaque fois, ils ont genre une arme et pas de shield. C'est quoi ce bordel? Attends, on va encore aller voir d'autres. Lui, il a rien. Lui, il est quasiment tout nu aussi. Je crois que s'ils ont deux armes, la machine, elle explose. Allez, juste parce qu'ils se dirigent vers l'île des ZZ, on va leur regarder un peu. En vrai, ça me fait bizarre de me dire que là, il y a personne derrière un écran qui contrôle ce personnage. C'est juste un robot. C'est un truc de fou quand même. Ah, il s'est pas monté une montagne. Alors, Epic Games, je veux bien vous défendre. Hein. Vous êtes des très bons développeurs. Mais l'équipe qui a fait les bots, pour l'instant, ils ont 0 sur 10. Est-ce qu'il sait qu'il peut activer un feu de camp par exemple? Il y en a un juste à côté de lui. Est-ce qu'il va y aller? Regardez, il est là. Non, il s'en tape. Allez, tu me saoules, je me taille. Les gars, on a trouvé un bon plus ou moins normal. Il a une arme et d'huile. Il y en a un qui est mort par les sbires du croupier. Ah, c'est pas possible, les gars. Ça veut dire que les faux bots sont meilleurs que les vrais bots. Vous savez, j'adore tailler les EDFR. Mais même les EDFR sont meilleurs qu'eux. C'est pour vous dire à quel point ils sont nuls. En vrai, ça m'a donné une idée de vidéo. Je dois affronter 99 bots avec un HP et seulement la pioche. S'il y a 25 000 likes, je le ferai. Lui, son petit point positif, c'est qu'il a l'air d'avoir un meilleur cerveau, ou du moins une meilleure carte mère, parce que celui-là est en zone. Amuse-toi bien, mon gars, je vais voir tes frères. Oh, un fight s'engage, il arrive à croupi, il tire sans viser, pourquoi pas. Lui, par contre, il a un vrai stuff. Eh, juste pour ça, le 29, c'est mon chouchou. Par contre, pourquoi tu fuis, frère? Il a tiré sur un mec, il s'est barré au courant. Eh, retourne-y, là, je suis ton coach. Il en a rien à faire, hein. Ça tire derrière lui, mais lui, tout ce qui l'intéresse, c'est se promener désespérément. Le 35 a fait une chute fatale. Je crois que la chute fatale, elle a au moins 30 kills dans cette game. Ok. On a Brutal Bastion, il a l'air d'avoir une grosse baston. Oh, bah hey, celle-là, elle est bien. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a encore 34 bots en vie. Ça annonce une belle fin de zone, ça. Par contre, lui aussi, c'est un fieur. Freestyle. Oh, mais moi, je voulais voir du sang, je voulais voir de l'action, un truc. Oh, il a entendu quelqu'un. Allez. Mais il a pas mis une balle. Oh là là, mais c'est quoi ça? Oh, tu vois, en face, il construit. Donc, ils ont l'aim de Martial et les mécas de Joe. Parce qu'il était un peu lent. Touché 21. Oh, il build. Allez. Oui. Il a récupéré un kill. Incroyable. Tu peux passer à côté, frérot. T'es pas obligé de casser. Mais tu peux t'accroupir aussi. Et du coup, il style sans prendre le stuff. Je sais même plus quoi dire. Comment tu veux le défendre? En plus, il a plus que 9 balles dans son AR. Oh, on est sur l'un des top killers de la game. Il a déjà fait 2 éliminations. Il y a un gars devant lui encore. Il a pas de construction. Il prend des dégâts. Aïe, aïe, aïe. Il sprint. La strat est pas mal. Regardez, il se rapproche. Non, dessus. Allez. Allez. Mais rapide, il va. Oui. Ouf. Troisième kill. Et il sort bas avec ses 39 HP. Regardez, il va juste repartir au combat. Allez, il se promène dans l'eau. Tu le tues là. Non, tire mieux. Non. Mais il a fait une box, c'est bien beau, mais il tire dans le mur. Et il est mort. Et pourquoi tu tires? Il y avait même pas un ennemi. Ah si, il y en a un, il tire sur un bus. Ok. Ah, il prend des dégâts de loin. Ça commence à s'exciter, la game va devenir intense. Il recharge, il construit pour se défendre. Ça c'est bien.
et il succombe quand même. Gros flop. Pourquoi tu vises? Arrête. Regarde, ça tire encore. T'appuies sur ta touche de sprint et t'y vas. Mais pas celle de recharger. Lui aussi m'a saoulé. Je suis arrivé sur un nouveau joueur, c'est le TargetBot53. J'allais dire qu'il a 7 HP, mais j'ai envie de dire un peu comme tout le monde. Ils connaissent pas le soin. Lui, il a qu'une envie, c'est de se promener dans la pampa. En tout cas, il connaît la glissade. Ça, c'est un bon point. Bravo Epic. Vous avez réussi à coder ça. Finalement, il fait demi-tour. Il a l'air quand même assez indécis comme joueur. Hein. Un coffre? Non, rien à faire. Allez, devant toi, il y a un Kémon Slurp. Tu le prends, tu vas regagner au moins 100 HP. Non, ils connaissent pas. Hein. Encore un qui est mort par le sbire du croupier. Allez. Ok, nouveau cercle de tempête vient d'apparaître. Il a l'air d'être dedans. C'est positif pour lui. Il aura pas un retard. Après, je sais même pas si c'est ce que ça veut dire. Oh, ça se fight. Il va accroupir, ça c'est une bonne strat. Allez, non, pas l'arbre. Mais pourquoi il vise quand il tire pas et quand il tire, il vise pas? Voilà, comme ça. Allez, encore. Allez. Mais ça me frustre. J'ai envie de prendre la souris et de tirer à sa place. Mais même Martienne, il a pas ses tames. Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Regardez ça. Au final, ils sont morts. Ok, il y a un mec à sa gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, sprinter. Il a l'air de vouloir se tailler. Quoique, il va prendre un nouveau fight. Allez. Oh, il construit aussi. Il casse sa propre constru. La touche Edith non plus, ils connaissent pas. Ils sont vraiment chez père. Hein. Vous voyez, Epic Games, ils ont voulu mettre des bots en Battle Royale. Mais ils ont même pas fini le développement. Ils sont qu'à la première semaine. Allez. Bon, il se taille. Moi aussi, je me taille. Ici, il y en a un qui a 12 kills. Wesh, le kill de fou qu'il a fait. Replay tout de suite. Oh damn. Il avait un aimbot celui-là, il est trop cheaté. Ah, là, il tire pas. Quoique... Le mec en face a mis une rampe. Allez. Oui. Non. 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 Oh là 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 là. Mais tu vas la fermer ta gueule. Il y a quelqu'un qui est passé devant lui. Mais ils sont encore 5 et... Ça y est, il s'est pris pour un poisson. Regardez-le. Il nage, il est trop content là. Les deux autres, ils se font des câlins. Nope. Nope. Tire. Nope. Mais pas dans le mur. Nope. Il a plus qu'une balle. Et voilà, il en a plus. Oh. Nope. Oh. Non. Nope. Non. Franchement, je crois qu'ils font exprès de rater leur balle. Parce que même si t'as pas de chance, non. Même un boss qui est censé être nul, il doit la mettre. Oh, il se soigne. Les gars, c'est bel et bien possible. Il se met un kit de soin. Il se tape le kit. Alors là, j'y croyais plus. Incroyable. Juste pour ça, je le mets favori pour la win finale. Il a encore deux adversaires à tuer. J'ai aucune idée d'où ils sont. On va regarder s'ils sont bien dans la game. Ok, il y en a un des deux. Ça a l'air d'être un fermier. Il a ramassé des salades et des bananes. Et l'autre, il a rien. Et toujours ses 7 HP. Ok, on revient sur notre chéri. Il faudrait lui trouver un petit nom avant la fin de la partie. Genre Kevin. Ouais, Kevin, c'est sympa. Mais ils sont tous les trois là. Et tirez. Allez, tu peux faire le double kill et faire top 1. Tire. Shoot! Tiros! Je l'ai dit dans toutes les langues au bout d'un moment! Non, je croyais qu'ils sont en train de faire un échauffement là, comme les joueurs de foot. Ils font les tours de terrain. Allez! Tu peux pas dire que tu l'as pas vu là. Il est devant toi! Oh là, mets-lui des coups de pioche si tu veux! Oh! Oui! Allez, encore! Allez! T'as 5 HP! Oh non! Kevin, il faut pas qu'il meure! Coup de pioche! Non! Allez, récupère le kill! Ah, et ils se sont tranquilles. L'autre a pu faire top 1 comme ça. Oh, je suis dépité. C'était la pire fin de game. Bon, bah, la vidéo est terminée. Franchement, je veux plus jamais être espion. Ma carrière est finito. Là, j'en peux plus. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était épouvantable. Ils étaient trop nuls. Pourtant, je vous rappelle qu'on les avait configurés en difficulté difficile. Alors, j'imagine même pas sur les mains super facile. Bref, plus sérieusement, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Pensez au psychocrateur YZZ comme vous êtes sur Fortnite. Ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.